soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, nous allons parler transhumanisme. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans des chemins inexplorés par l'homme et par la sueur. On ne sait pas trop où on va aller, ça risque de partir partout, mais on va faire de notre mieux pour vous apporter quelque chose de qualité. Bien, mon cher Russ, donc aujourd'hui, bond dans le futur comme tu l'as proposé. Je te propose un bond dans le futur encore plus important, on va dire 2050, pour qu'il y ait vraiment aucune possibilité, on va dire, de fou, parce que j'ai peur qu'en 2030, tu vois, on ait certaines personnes qui s'y connaissent forcément plus que nous, qui vont dire, bon les gars, vous vous enflammez beaucoup trop. Ok, ok, ok. Mais du coup, alors si on fait ce bond vers 2050, d'ici là, tout a le temps de se barrer en couille de tous les côtés, donc l'avantage, c'est qu'on a champ libre, mais je pense que, je crois que je vais te couper et faire le mec stylé, alors que c'est probablement ce que tu allais dire, mais je propose du coup qu'on commence à dire pourquoi est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait du transhumanisme et qu'il y ait la folie totale, même dans les sports de combat et dans les autres sports. En sachant que oui, là on est d'accord, mon cher Russ, qu'on s'intéresse donc au MMA, sport de combat, mais aussi au sport dans sa globalité, parce qu'on a, oui, on n'a toujours pas d'ailleurs dit exactement de quoi on allait parler. C'est, on va parler d'athlètes à améliorer, de personnes bioniques et que ça soit démocratisé, parce que ça existe déjà. Vous le savez sans doute avec en soi les multiples prothèses, les Pistorius. Siptathlon, donc c'est les espèces d'Olympiades de personnes bioniques, ils ont fait ça. Mais là, on parle vraiment de quelque chose qui soit démocratisé à tous. Et on va dire, si vous cassez le bras ou vous dites j'ai un bras trop court ou au contraire, je me trouve trop petit, vous pouvez avoir gagné 15 cm avec des bras en adamantium. Ouais. Voilà. Ça bien. Ou n'importe quoi d'autre. Oui. Bien. Alors, est-ce possible, mon cher Russ, que cela se démocratise? Parce que c'est vraiment là toute la question. Parce qu'on commence à voir, ça commence à apparaître un petit peu partout, ça commence à pop-up, mais est-ce qu'on va avoir droit à finalement une Coupe du Monde où tous les mecs seront améliorés? Je vois pas comment ça peut ne pas se démocratiser. Parce que de la même manière, et ça c'est, je suis pas grand Nostradamus, mais de la même manière que, tu sais, les premiers lecteurs cassettes, genre cassettes vidéo, à l'époque où ils sont sortis, c'était tellement une technologie de malade que ça coûterait aujourd'hui en euros, l'équivalent en euros, de genre 2000, 3000 euros. Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a aucun doute que toutes ces technologies-là vont se démocratiser. Aujourd'hui, il y a déjà des mecs qui, à moitié dans leur garage et dans leur grange, là, je ne sais plus comment s'appelle ce mouvement aux States, et il y en a sûrement partout dans le monde, en Russie, ça doit être le même délire, de gens, par exemple, tu sais, qui se foutent la vision nocturne en s'injectant des espèces de puces dans les yeux, des trucs comme ça existe déjà, c'est du délire. Des gars qui font ça avec, en gros, ils se rentrent une puce dans la peau pour payer, ou je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Donc, pour l'instant, c'est un peu pour le grand public, à l'état un peu expérimental. Et il y a des gens qui testent ça un peu, qui vont probablement se foutre le choléra une fois sur deux. On ne sait pas trop comment ça va passer. Mais ce qui est sûr, c'est que ces technologies-là vont se démocratiser parce que ça va être de plus en plus facile de miniaturiser. Ça va être de plus en plus facile de créer des prothèses de plus en plus efficaces, des prothèses qui vont de prothèses passer à une aide, qui vont passer à véritablement, en fait, presque un exosquelette qui t'avantagera même plus que l'humain lambda. Pour moi, ça fait pas de doute, j'imagine, sans rien y connaître, là, probablement, s'il y a des gens qui font leur thèse là-dessus en physique qui écoutent ça, ils vont nous reprendre tout de suite, mais peut-être qu'un des seuls freins, ce sera le prix des matières premières s'il explose dans un futur proche. Si on se place en 2050, il n'y aura peut-être pas accès, genre full access aux terres rares et tout ça. Mais voilà, pour moi, il n'y a aucun doute que ça va se démocratiser. Et la transition, c'est que non seulement je pense que ça va se démocratiser, mais je ne vois pas comment est-ce que les sports ne vont pas être obligés de se mettre au niveau. Parce que si ça se démocratise, ça veut dire qu'il y a des moments, et mettons en 2030, 2035, il y a forcément un moment où des gens lambda, de par leur amélioration bionique ou de quelque manière que ce soit, seront plus performants dans les sports qu'ils vont pratiquer que les athlètes professionnels si les sports, chacun de leur côté, gardent une charte éthique qui fait que tu n'as pas le droit de t'injecter des trucs, tu n'as pas le droit de te changer un bras, tu n'as pas le droit de te machin. On arriverait hypothétiquement à un changement où les gens normaux qui décident d'eux sont plus performants que les athlètes professionnels
entre guillemets, normaux et conservés et vierges dans leur transformation transhumaniste. Eh bien, j'ai envie de te dire que tu as intérêt à te calmer, mon cher Ruff. Parce que, non, moi, ce que je, alors, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, quelques bémols. Je pense en fait que ça va se faire, mais tu sais, petit à petit. Parce que bon, on va pas se mentir, on a un petit peu travaillé notre sujet avant de commencer cette vidéo. Et moi, je pense que ça va être en fait quelque chose, parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec Pistorius, où tu vois, il y avait certaines instances athlétiques qui disaient, bah, on va se calmer, il va pas pouvoir faire ça parce que ça lui apporte des avantages. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais par exemple, Caster Semenya, tu vois, qui ne peut plus participer à telle compétition à cause de son taux de testostérone, parce que, on va dire, les choses qui sont un peu trop voyantes, les instances peuvent mettre des stops. Et moi, en fait, je pense que ça va se faire. Évidemment, tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Et pas forcément les mecs lambda, mais on va dire des top athlètes, on va dire de Team USA et tout. Tu vois, à chaque fois, par exemple, aujourd'hui, on voit que depuis, allez, 5 ans, c'est beaucoup plus facile, dès que tu es un athlète professionnel, d'avoir la possibilité d'utiliser les stem cells, les fameuses cellules souches, ouais, pour te soigner. Et ça, on va dire que c'est quelque chose, si tu es un seul mec qui le fait, pour moi, c'est déjà, c'est pas du transhumanisme, mais tu es dans quelque chose où tu as un gars qui a un avantage considérable par rapport à tout le monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, que tu sois Conor McGregor, Cody Garbrandt, Kobe Bryant, tu peux avoir l'usage de ce truc-là pour ensuite revenir. Alors que si personne pouvait y avoir accès, ou si tu vois, tu reviens 15 ans en arrière, il n'y a qu'un seul mec qui peut le faire, tu fais « oula, c'est un peu louche ». Donc je pense que ça va effectivement se faire, mais on va dire par palier, et à chaque fois, ce sera tout le monde qui aura droit. Parce que je vois très très mal quelque chose du genre… on va dire, Habib, là, se pète la hanche, il revient avec une espèce de hanche bionique qui fait 15 grammes. Non, mais tu vois, ouais, par exemple, un mec qui fait ça, il dit du jour au lendemain, ouais, bah, vrai, con, ouais, mes os sont trop lourds, je vais combattre en flyweight avec une matière qui va être hyper légère. C'est le genre de truc, tu vois, s'il y a un mec qui fait ça, c'est... Enfin, et voilà, t'as Habib Nurmagomedov qui, maintenant, va pouvoir combattre en flyweight. Je pense que ça, tu vois, c'est pas possible, mais qu'on va avoir des espèces de petits paliers du type stem cells, du type, bah, par exemple, tu vois, en athlétisme, quand, bah, aujourd'hui, on va dire, quand t'as les starting blocks, enfin, tu sais, à chaque fois, des avantages, ouais, qui vont être possibles pour le plus grand nombre, parce que sinon, ça ne va pas être une course, on va dire, à l'armement, mais ça va être un petit peu louche, un peu comme quand il y avait, on va dire, les plus sombres heures du cyclisme, où en fait, tout le monde faisait sa petite tambouille dans son coin. Et ouais, ça, je pense que pour le sport, et notamment, en fait, c'est surtout ça, moi, où je me dis, toi, je pense que ça peut être possible dans les organisations du type Rising, ou quand ça va être un peu la fête du slip, mais si tu fais en mode sport olympique et le CIO pour les Jeux Olympiques, justement, je pense qu'ils ne vont pas laisser passer ça et dire « Ok, maintenant, les pays les plus avancés technologiquement, faites ce que vous voulez, et les autres, ça va être un peu compliqué parce qu'on va se retrouver avec des espèces de… déviance assez hardcore, à mon avis. » Des déviances qui sont… Tu dis que ça va probablement se passer au Rising ou trucs comme ça. En vrai, c'est un peu déjà le cas. Complètement. Genre, ouais, en Russie, tu sais, il y a eu ce cas, mais apparemment, c'était un hoax. Apparemment, c'était un fake du combattant thaïlandais qui s'était mis des plateaux en titanium à la place des tibias. Apparemment, ça, c'était pas vrai, paraît-il. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, par exemple, Anderson Silva, qui s'est pété la jambe, oui, 2015, je crois, lui… j'ai pas entendu l'inverse, il a toujours en fait sa bande en titanium qui recouvre son tibia, c'est-à-dire que pour rejoindre les deux bouts et que ça se ressoude, ils avaient mis un plat en une espèce de languette en titanium et elle y est toujours. Alors après, du coup, son docteur Anderson Silva disait oui, mais voilà, par exemple, la languette en titanium, c'est pas un avantage dans le sens où, bon, au-delà du fait qu'il frappe pas plus fort, la languette, tu vois, il peut la tordre, c'est-à-dire que c'est pas un espèce de truc qui fait 5 cm d'épaisseur où quand tu te le prends, c'est comme te prendre un marteau, tu vois. Donc, il y a déjà, en fait, Paige VanZant, pareil, elle a des bouts de métal dans la main, comment dire, Lionheart, Anthony Smith, pareil, Arlovski, pareil, donc il y a déjà ces petits trucs-là, mais c'est vrai que, par exemple, en Russie, eux, ils sont passés déjà au niveau supérieur, alors c'est pas du transhumanisme, mais ils font déjà des putains de hip show, c'est-à-dire du MMA à, je crois que c'est genre 5 contre 5, sur des plateformes surélevées pour bien te briser la nuque quand tu tombes. Et ils ont déjà tout ça, ils ont déjà des trucs de… Parce que ça va être un ensemble, c'est-à-dire que c'est dans le sport, mais ça va aller avec des télé-réalités qui vont toujours plus loin, ça va être un climat, je pense, qui va faire que petit à petit, il va y avoir de plus en plus de laxisme. Et donc, si les pays de l'Est ont déjà des trucs comme ça, et que c'est sûr que ça va se faire, ouais, j'ai du mal à croire que petit à petit, ça rogne pas effectivement sur la culture populaire, mais je pense que ce sera différent, moi, en fait. Je pense effectivement qu'il y aura deux branches, en fait. On va dire, il va y avoir la branche classique dite du sport, donc tout ce qui est Jeux Olympiques, Ligue 1 et tout ça, et tu auras autre chose à côté
En fait, tu vois, tu appelleras ça par exemple UFC, XXX ou je sais pas, enfin ce que tu veux. Ouais, des organisations parallèles, ouais. Exactement, ou des branches, tu vois, où tu pourras dire, bah, ce sera pas en mode e-sports, mais on va dire que tout le monde peut participer avec soit son robot, soit avec son mec qui est amélioré. Et ouais, en fait, tu auras à chaque fois les deux côtés du sport. Mais ça veut dire que du coup, tu aurais les deux côtés du sport, mais si tu es l'UFC. Ça paraît compliqué pour eux de gérer cette situation parce que ça veut dire que donc tu auras des organisations parallèles où clairement tu sais et le public le sait que le champion du UFC XX Bionic, eh ben, il peut littéralement tuer en 3 secondes le champion du UFC traditionnel humain versus humain, tu vois. Ah oui, complètement. Mais et moi, je pense en fait que ce sera admis en fait qu'il y ait quelque chose, en gros, les humains non modifiés d'un côté et de l'autre côté, les humains modifiés. Enfin, que tu aies un espèce de truc comme ça où d'un côté, tu as les mecs qui sont en mode en Formule 1 et les autres sont à pied, tu vois. Et du coup, dans l'idée, en gros, tu penses à la limite, je pense que je serais d'accord que de la même manière que, je sais que c'est grand écart, mais tu sais, il y a des liseuses électriques qui sont vachement plus pratiques et oui, tout ça, voilà. Mais il y a quand même des gens, et moi y compris, hein, qui préfèrent continuer à lire les bouquins parce que tu as le papier, c'est plus pratique et machin, qu'il y aurait des gens qui auraient cet appétit pour le divertissement à l'ancienne parce que ça fait plus appel à leurs valeurs, parce qu'ils peuvent plus s'identifier, parce que ça reste des gens qui doivent grinder pour réussir, il y a encore de la souffrance, il y a encore du travail, du machin, tandis que les gens qui suivent le UFC XX Bionic, ce seraient des gens qui seraient là un petit peu genre comme les jeunes avec Insta quand ils ont 8 piges, ils sont tout fous, ils sont machin, et qui auraient deux publics séparés pour ces deux trucs-là. C'est vrai que ce serait intéressant, mais en vrai, ouais, complètement. C'est carrément... je veux pas faire l'espèce de vieux mec qui n'y connaît rien, mais tu vois, par exemple, moi j'aime bien le e-sport. Et c'est vrai que quand tu regardes le e-sport, bah, t'as certains trucs, quand tu dis que les mecs arrivent à faire des énormes tournois avec des choses qui sont ou qui remplissent des salles, par exemple, quand tu regardes les StarCraft, parce que moi je suis très StarCraft. Voilà. C'est vrai? J'aime bien StarCraft. J'aime bien StarCraft. Enfin bref, mais tu te dis, par exemple, quand un gars joue à Tekken, le mec qui joue à Tekken et qui va faire des compètes de Tekken, ça n'a rien à voir avec les compétitions du MMA. Je dis pas que si t'aimes le MMA, tu peux pas aimer Tekken. Parce que ouais. C'est que j'imagine bien un truc où t'as un monde qui va être dans la vie réelle avec des espèces de gars qui font leur Tekken dans leur coin, et de l'autre côté, t'auras le MMA qui là sera beaucoup plus. Bah, t'auras pas les gars qui vont faire quintuple salto arrière, ensuite balancer un énorme fulgure au point. Mais ce sera beaucoup plus basique, beaucoup plus terre à terre. Mais tu vois, chacun pourra y trouver son compte. Et je pense que t'auras des gens qui aimeront aussi bien Tekken en e-sports que la ligue UFC XX Bionic et l'UFC tout court. Tu vois, je me dis, ouais, ça peut éventuellement être possible. Mais parce que sinon. T'auras tellement. En fait, moi aussi, ce qui me fait peur, c'est. Enfin, parce qu'il me fait peur aussi. Si t'autorises, en fait, tout le monde à être mélangé comme ça, je pense que t'auras des accidents qui seront terribles pour les organisations. Par exemple, t'imagines, dans 5 ans, ils commencent à dire bon, bah, ok, on va laisser faire ça. Et t'as Kamaru Usman contre un mec qui sort de nulle part, qui est complètement modifié. Et Kamaru Usman se fait, on va dire, arracher le crâne, littéralement, par le mec qui est modifié, tu vois. Ouais. Genre, sur la tentative de guillotine, le mec serre trop fort et a oublié d'appuyer, tu sais, une limite. Pareil, c'est ça, tu vois. Si t'es un humain normal et que le mec a oublié de mettre la limite de je sais pas trop combien de kilojoules quand il va se mettre à serrer, bah, t'as Kamaru Usman qui se fait écraser la tête. Et là, t'es, oh merde. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que du coup, ça va pas être évident à gérer. Hein. Mais en plus de ça, mec, ça me fait penser. On a intérêt à très très vite trouver un moyen de régénérer les cellules du cerveau et les zones du cerveau, parce que par contre, si jamais on fait des bons technologiques à chaque fois où tu multiplies les kilojoules au centimètre carré et qu'en revanche on continue d'être exactement les mêmes, nous, au niveau du cerveau et de la récupération, ça va faire des carrières très très courtes, hein. Ça va faire des carrières de 2 combats maximum, parce que si les mecs sont capables de tuer un buffle avec une droite et qu'en revanche le cerveau c'est le cerveau d'un être humain normal et que c'est le seul truc qu'on peut pas changer, On va avoir des problèmes. Hein. On va avoir des Et problèmes. Tu penses pas qu'ils feront ça plutôt avec des robots? En fait, moi, ce que je me dis, ça va pas être des robots. Ah, tu vas carrément par là. Oui, en fait, pas des robots, mais des avatars ou des espèces de clones, et que chacun est son champion en mode, bah vraiment, soit t'es en mode Formule 1, tu vois. D'accord. Et de combat en combat, par exemple, on va dire le Khabib Bionic qui affronte McGregor Bionic, bah, il développe une technologie spéciale pour être bon en striking. Enfin, il y a quelque chose comme ça à chaque fois. Parce que le truc, comme tu dis, hein, de réussir à développer ce qu'il faut pour vraiment bien encaisser, ça aussi, je pense que tu auras beaucoup d'accidents, parce qu'entre tous les tests, tu ne vas pas faire un sparring, le mec bionic, il va falloir qu'il trouve d'autres mecs bioniques. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, mais moi, ça va être... me dis quelque chose, un avatar où tu te projettes
dans le corps de quelqu'un ou... Alors, bah, j'ai, alors, il y a deux trucs là qui me viennent en tête. C'est en train de partir ma Oui, mais justement, c'est parfait, c'est vachement bien. oui, En gros, oui, oui. il y a deux trucs qui me viennent en tête. Alors, c'est deux références en fait cinématographiques. Le premier, c'est, je sais pas si tu as maté la série Netflix Love, Death and Robots. Et à un Oui, moment donné, complètement. voilà, Et tu as oui. cet épisode, je sais plus comment il s'appelle, où c'est une nana qui contrôle un monstre par la pensée. Donc, elle fait ça, le monstre fait ça, machin, un petit peu comme dans Pacific Rim ou comme dans Real Steel. Alors, justement. J'aime trop les mecs, tu sais, ça place tout de suite le niveau des deux gars. Alors, quelques références cinématographiques. Apocalypse Now, le parrain, non, t'oublies tout de suite, hein. Nous c'est Ben 10. Non, mais en fait, parce que bah, évidemment, c'est plus compliqué pour des films mainstream et réalisés par foutu Scorsese de faire un truc sur des robots qui se mettent sur la gueule, c'est sûr. Donc forcément, il y a un côté un peu décrédibilisant, c'est sûr. Mais là où je veux en venir, c'est que donc ce serait un peu un délire comme celui-là, c'est-à-dire Tout à que fait. tu aurais dans deux pièces séparées des combattants qui ont donc l'équivalent d'un ring dans lequel ils peuvent se déplacer. Ils se déplacent, ils sont bardés de capteurs, et en revanche, ce que voient les gens, ce seront leurs deux avatars qui seront donc dans des corps physiques, dans des vaisseaux physiques, mais qui ne seront, mais dont la, en gros, les mouvements seront dictés par Khabib et Connor, mais dans d'autres pièces, etc. Tout Ok, à fait. honnêtement, Moi, ça, je je pense quelque chose comme ça, et même où au-delà d'avoir une espèce de, enfin, où tu seras obligé de mimer, on va dire, les mouvements et faire quelque chose, où par exemple tu poses la question de, par exemple, le délire de Fedor contre Cain Velasquez, bah là tu puisses l'avoir en vrai. Tu vois, Oh, quelque j'avoue, chose tu te comme fais des ça. oldies et tout. Et Ah, mais ça, c'est t'as énorme. plus de what if, parce que tu auras Fedor d'un côté qui ira dans son avatar et Cain Velasquez qui ira dans son avatar. Tu vois, je pense que quelque chose comme ça peut être possible. Ça, ce serait. Mais Mais en même temps, ce serait. T'imagines, ils sont capables, avec un algorithme, de genre. T'as un algorithme qui bouffe tous les combats de Fedor et il est capable d'établir, sans trop en rajouter, de façon objective, ce qu'est Fedor au prime, en prime time, mettons, je sais pas, complètement. 2005. Ouais. Et en gros, ils sont capables d'évaluer la vitesse max, comment est-ce qu'il bouge, quelle prise il connaît, celle qu'il ne connaît pas, avec des genre des images d'entraînement pour qu'il y ait tout le répertoire et tout. Et que du coup, ils soient capables de faire des oldies versus oldies, genre un match genre Brésil-France, avec t'as Pelé d'un côté et t'as Zidane de l'autre. Ce serait stylé. Alors par contre, du Mais coup, la avec question... Fedor qui se contrôle, tu vois. Ah, genre Fedor... Ah. Tu vois? Et en gros, les mecs peuvent avoir des projections, par exemple, et que, bah, que Khabib, on va dire, dans 50 piges, puisse avoir une version de Khabib D'accord. prime Et time donc et là, ensuite se en contrôler. fait, ce serait vachement, ce serait bizarre parce que donc ça veut dire, mettons que Khabib a 70 piges, qui contrôle son avatar de Khabib dans son prime. Donc c'est Khabib qui sera à 70 ans dans son siège et qui bouge plus. Mais alors du coup, ça veut dire que on en serait rendu à un endroit où comment est... Alors parce que j'imagine que un des, alors là, on va peut-être commencer à aller du côté philo, hein, j'en sais rien, mais le sport et les athlètes, la raison pour laquelle on les regarde, c'est parce qu'on veut pouvoir voir ce que c'est que quelqu'un qui est capable d'amener à son paroxysme une performance physique, Complètement. un art, une maîtrise de ses mouvements. À partir du moment où ce truc-là est complètement factice, est-ce que le sport a vraiment le même intérêt? Franchement, je ne sais pas, parce que pourquoi est-ce que tu regarderais un sport, ou pourquoi est-ce que tu te passionnerais pour un Andy Hug, ou pour un Fedor, ou un John Jones, si tu sais que finalement, là, on en est rendu où, en 2050, c'est un algorithme qui contrôle le truc. Certes, il y a John Jones 50 piges Ouais. qui contrôle derrière, mais tu regardes un algorithme. Est-ce que vraiment, est-ce que ça nous intéresse, ça, en tant Ah, qu'humain? mais pas. Bah ouais, mais dans ce cas-là, tu poses la question. Pour moi, c'est pour ça qu'il y aura toujours le MMA classique, la lutte classique, le judo classique, et ça, ce sera un endpoint du truc, parce que dans ce cas-là, on se pose la question, le e-sport, c'est quoi, tu vois? Parce que le e-sport, il y a quand même beaucoup de mecs qui font du e-sport, notamment si vous regardez les compétitions de NBA 2K, qui sont complètement out of shape, et les gars te font des compétitions, font partie de l'équipe NBA 2K, il y a la ligue NBA 2K qui est financée donc par 2K et par la NBA. T'as le système des vraies franchises et tu vois pourtant tu. Enfin, en soi, tu vois des mecs jouer au basket. Et là, tu sais, t'as pas du tout de ballon en feu et tout. Hein. C'est comme, bah, comme exactement comme les compétitions de FIFA. C'est censé simuler la réalité, mais tu regardes un truc qui est pas dans le monde réel, on va dire, entre guillemets. Mais du coup, alors, mais ok. Mais ça veut dire que du coup, là, ce qui te plaît, en fait, quand t'es un mec qui regarde du e-sport ou du truc comme ça, c'est que c'est la performance du joueur en lui-même. Du Ah coup, oui, ce qui est... complètement. Ok. Mais la performance du joueur, du gamer. Voilà. Ok. Du Donc ça veut dire qu'en fait, gamer. gamer, non? Donc ça veut dire qu'en fait, là, l'univers dans lequel on se place, on n'est plus du tout dans... Ce seront plus des athlètes, en fait. Là, on est complètement dans du e-sport, alors. T'es en train de dire que les mecs qui font du e-sport ne sont pas des athlètes?
Bah, disons que ce sont des athlètes différents, mais ce ne sont pas des athlètes au niveau physique, quoi, c'est clair. Non, complètement. Bah, moi, je pense non, attendez, je me rétracte parce qu'ils ont quand même. Non, mais c'est, vraiment, hein, c'est pas, j'essaie pas de me rattraper au corps, mais je dis, pour moi, ce ne sont pas des athlètes physiques. Ouais, voilà, mais ils ont un temps de réaction qui est bien supérieur à la moyenne. Ils ont une coordination œil-main qui est un truc hallucinant. Donc, ce n'est juste pas des athlètes dans le sens. Bah, voilà, c'est pas. Vous, je pense que vous m'avez compris, hein, c'est juste que j'arrive pas à mettre les mots dessus, mais c'est qu'il n'est pas capable d'avoir. Oui, il n'y a pas ce côté performance physique. Exactement. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ouais. Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, on est vraiment dans un truc. Si on parle de la ligue là, qu'on vient de créer, UFC XX Bionic, on est sur du e-sport, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur du e-sport qui a une traduction physique, parce que du coup, ce seront deux robots entre guillemets qui seront contrôlés, donc les robots seront physiquement, ils se mettront physiquement sur les gueules, tu vas physiquement entendre le bruit du métal contre le métal, mais contrôlés par des gamers. Donc c'est-à-dire qu'en fait je suis partagé parce que je pense qu'il peut y avoir les deux, et tu vois par exemple quand on revient sur Real Steel, ce fameux chef-d'œuvre cinématographique, je pense que le problème de ce type de jeu là où si tu fais quelque chose où tu es obligé d'avoir des mouvements, tu seras très vite limité, on va dire, financièrement. Parce qu'un mec, tu vois, un gars, quand tu regardes les José Mourinho, par exemple, en football, un José Mourinho, aujourd'hui, il s'approche des 60 piges, mais c'est toujours un entraîneur brillant. Et si tu es dans un mode comme ça, où justement, tu as des athlètes, tu vas te dire, si on est obligé de faire les mouvements, au bout d'un moment, bah, le José Mourinho de 60 piges, il se fera forcément bouffer par un coach comme Zinedine Zidane, car il est plus jeune, parce que Zidane est plus réactif. Donc si tu te dis, on supprime tout ça, on fait quelque chose à la Black Mirror, là, le dernier épisode où ils faisaient les trucs des jeux vidéo, tu mets deux espèces de capteurs au niveau du... et c'est le cerveau qui contrôle, bah là, un José Mourinho, il peut être en compétition bah, de 20 ans jusqu'à 75 piges, parce que tu sais que tout ce qui est physique, justement, toutes ces limites de dire le mec peut avoir une tendinite ou n'importe quoi, bah là, tu oublies tout ça et c'est uniquement la science du jeu du gars qui va parler. Mais, et là, le problème, c'est d'accord, qu'effectivement, tu enlèves tout ce qui est physique. Et tu peux pas, je vois mal quand même faire 15 000 ligues. Et je pense que les ligues où tu seras obligé d'utiliser, on va dire, ton corps avec des capteurs comme dans Real Steel, ce sera justement comme dans Real Steel avec des trucs, tu sais. Genre au fin fond de l'Arkansas pour les gars qui n'ont pas les top technologies, tu vois. Ouais, ouais. Je me dis ça, parce que t'as le business, t'as le côté business où un nom reste un nom et... Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ben, ouais, je serais curieux de voir comment... Après, il y a un autre truc aussi qui est... Là, je suis en train de repenser, je reviens un petit peu en arrière, mais ça me fait penser, un truc qui pourrait être stylé aussi et qu'on peut peut-être augmenter dans le transhumanisme, etc. C'est tout con, hein. Mais tu sais, Dan Hardy parle souvent de parler du cerveau limbique, cerveau reptilien, où tu parles, tu passes de l'un à l'autre, et si tu es soit dans l'un, soit dans l'autre, ça affecte ta façon de combattre, parce que dans l'un, tu es en automatique, et dans l'autre, tu peux être conscient de ce que tu fais. Ce qui serait stylé aussi, mais alors là, je ne sais pas où est-ce que ça peut nous amener, c'est un espèce de bandeau ou un truc comme ça, qui fait que tu contrôles toi-même si tu passes du limbique au reptilien ou pas. Et ça ferait des combattants ou des combats, ce serait vachement intéressant, qui sont en pleine conscience, toujours capable de faire les choix qu'ils veulent, et le bandeau, il ferait en sorte que tu puisses aussi garder le même temps de réaction, pour que, en gros, c'est toi qui fais les choix, mais ce qui est le cas aujourd'hui, en revanche, tu perds pas en temps de réaction quand tu intellectualises ce « ok, viens de faire ça, il faut que je réponde ça en conséquence », et ça irait plus vite, c'est-à-dire que ça ne rendrait pas plus rapide ton temps de réflexion, mais ça n'handicaperait pas si tu passes d'un cerveau à l'autre. Mais alors là, par contre, je sais pas où ça peut nous emmener, parce que si tu changes ta manière de réfléchir pendant un combat, tu peux peut-être créer des gens ultra créatifs du même coup, et là, ça fait que des Tony Ferguson, en plus d'avoir... des gens qui sont ultra athlétiques. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui le charme du MMA, c'est que tu as des gens qui sont créatifs, mais c'est pas toujours. Enfin, il y a une espèce de balance, tu vois. C'est tout. Ça n'existe pas un combattant qui a absolument tout, et c'est ça qui est heureusement encore le cas, c'est que du coup, tout s'équilibre tout le temps. Mais changer aussi par le transhumanisme ta manière de réfléchir pendant un combat, ça pourrait être vraiment stylé, ça. Ouais, non, tout à fait, sachant que. Ouais, ça serait plus compliqué, on va dire, plus compliqué à mettre en place, on va dire, du point de vue des organisations, mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de choses, parce que l'avantage aussi, mine de rien, de bah ça n'enlève pas le souci des commotions, parce que je pense aussi que ça va devenir un problème, à mon avis, dans 10-15 ans, le nombre de plaintes et de procès gigantesques qu'il va y avoir autour de ça, et avec ce truc-là, t'enlèves complètement ça, tu vois, si les mecs peuvent avoir des avatars, ou si tu fais en sorte que, finalement...
Ou après, comme tu disais très bien, et je pense que ça arrivera peut-être même avant, tu vois, s'ils arrivent à faire des stem cells pour le cerveau, ou arriver à trouver le moyen que bah, dès que tu te prennes un POC ou que tu as une commotion, bah, on t'injecte quelque chose qui fait que finalement tu n'as plus tous ces symptômes-là. Ouais. Tu vas enlever tout ça. Mais, et ça, pour moi, à mon avis, ça va arriver dans le sport générique, pas dans notre ligue bionique où là, ça va être n'importe quoi. Parce que je pense que cette espèce de ligue bionique, ça sera mi-Formule 1, mi-sport. Quelque chose où, tu vois, ça va être une espèce de course. Ah, tiens, j'ai fait ça. Et ça va être uniquement du cool. Et ça va être uniquement du cool. Et ça va être également, on va dire, les plus jeunes pourront y avoir accès. Parce que quand on regarde les jeux vidéo en e-sport, c'est hyper violent, tu vois, les trucs. Ouais. Et ça va, t'auras uniquement ce côté-là. Uniquement ce côté, oh putain, effectivement, Kamaru Usman XX vient de se faire arracher le crâne par un mec random. Mais tu seras juste, oh putain, ce qu'il lui a fait. Comme quand tu regardes un highlight, quand tu viens de finir un mec comme Tekken, ou les fatalities sur Mortal Kombat, tu vois. Et à aucun moment, il y a un gars qui se dit, oh, putain, c'est quand même un peu chaud ce qu'on vient de faire, tu vois. Ouais. Et à mon avis, on va aller petit à petit vers ça. Parce que il y a déjà des combats de robots de toute façon, tu vois. C'est pitoyable. Ouais, bah, mais c'est des robots genre sur quatre roues qui font comme ça. Il y en a un qui a une scie, un marteau, et puis à un moment donné, il y en a un qui se casse la gueule. Ouais, pour l'instant, c'est pas hyper spectaculaire, mais ça va venir. Exactement. Ça va venir. Ok. Mais donc, ça veut dire que dans un monde comme celui-là, parce que là, forcément, tu as créé deux organisations parallèles, une traditionnelle, une XX Bionique. Mais dans ce monde-là, ça veut dire que t'as des technologies qui sont démocratisées, mais les gens qui ont été capables de, parce qu'ils ont suffisamment d'argent, genre de vraiment complètement de faire une Will Smith dans les robots, tu vois, de complètement devenir à moitié des robots avec seulement la peau humaine. Du coup, eux, ils vont où? Parce que ça veut dire que là, t'es plus dans le e-sport XX Bionic, t'es plus dans la ligue traditionnelle, et pourtant, ça veut dire que t'auras quand même des gens qui vont se balader dans la rue et dont tout le monde saura, même s'ils font pas partie d'organisation, parce que ce ne sera pas permis, que ce ne sera pas légal dans ce cadre-là, qui sont capables de, genre de tuer Kamaru Usman XX. Ouais, mais je pense que les gens pourront faire ça, mais tu auras quelque chose un peu en mode, tu vois, Formule 1, par exemple, tu sais, tu vois, tu as la Bugatti Veyron qui est beaucoup plus puissante qu'une Formule 1, sauf que la Bugatti Veyron, elle est trop lourde, pas assez maniable pour être en compétition avec les Formule 1. Et je pense que tu auras déjà, tu sais, ce sera un espèce de mode de circuit fermé. Tu auras les mecs, tu vois, tu pourras effectivement te balader en mode bionique, mais je pense que, tu vois, par exemple, le mec qui va se balader en mode bionique, qui sera complètement, il fera du strongman, des compétitions de strongman qui auront, à mon avis, explosé, parce qu'au lieu de dire, tu t'essayes de soulever une caisse, le mec va essayer de soulever un building, tu vois. Et par contre, quand tu feras des sports de combat, tu seras obligé de lier justement ce côté bionique avec l'intelligence. Et entre d'un côté le gars qui aura les énormes, les super capteurs qui iront hyper rapidement pour retranscrire ce à quoi le gars a pensé et le coup qu'il fait, et le mec qui va lui juste avoir les avantages physiques, le temps qu'il se dise ok, mon bras va se soulever pour faire ça ou tenter un suplex, le mec sera déjà dans les vapes ou se sera fait arracher le bras, tu vois. Donc je pense qu'à mon avis, tu auras des espèces de exactement comme en Formule 1, tu vois, des certaines limites et un espèce d'archétype à chaque fois, deux modèles pour dire si vous voulez rentrer dans notre ligue, il faut tant de millions de budget, il faut que vous respectiez ça, et on va dire à chaque round vous avez droit à tel ou tel ajustement, parce que pour justement que le cool ne soit pas brisé et que ce soit en mode Formule 1 et e-sport, dans le sens où, tu vois, quand tu regardes le e-sport, tu fais ce que tu veux mais dans le cadre du jeu vidéo. Et donc dans le cadre du jeu vidéo, ça veut dire que tu peux faire l'équipe que tu veux dans FIFA, mais dans tous les cas de figure qui ont été prévus par EA Sports. Ouais. Tu peux pas dire qu'un tel joueur peut pas avoir plus de 99 de vitesse. Ouais. Et tu vois, je pense que tu vas avoir un truc comme ça pour éviter justement qu'il y ait des trucs ultra sales. Mais par contre, tu auras des trucs ultra sales en Russie, au fin fond de l'Asie, où là, les mecs, ils auront piraté le jeu ou je sais pas trop quoi. Et là, voilà. Ah ouais, non, mais eux, ils vont carrément faire des hybrides où t'as des putains de cuisses de rhinocéros. Enfin, ça va être de la folie. Hein. C'est vrai. Ouais. Ok, en fait, parce que moi, le truc, tu vois, qui me gêne le plus dans tout ça, c'est simplement qu'à partir du moment où on sera beaucoup trop aidé par la technologie, parce qu'en fait, vraiment, ça me pose un problème. Moi, la raison pour laquelle je regarde l'UMMA, c'est parce que, en gros, c'est blindé de gens qui m'inspire en fait par la manière dont ils répondent à une épreuve, la manière dont ils sont psychologiquement, la manière dont ils sont forts mentalement au niveau du caractère, leur personnalité. Et ce qui... On n'aura plus ça, parce qu'à partir du moment où tu es totalement artificiel, la raison pour laquelle tu as upgradé et pour laquelle tu as réussi à apprendre un kick, ce sera pas parce que tu t'es fait chier à le répéter pendant 10 000 fois, c'est parce que tu as téléchargé le kick, tu vois. Mm-hmm. Et
vraiment, je ne sais pas où est-ce que va aller le sport comme ça, parce que on regarde du e-sport parce que je pense aussi, j'imagine, parce que tu sais, si c'était deux logiciels qui se foutaient sur la gueule, ça intéresserait personne. C'est parce que ça reste des humains qui font des trucs ultra stylés, presque quasiment surhumains au niveau de la vitesse de réaction et trucs comme ça. Bah là, ce sera toujours ça. Ouais, mais c'est dans vrai. Dans le sens où ce sera deux esprits. Deux esprits, et on verra ça en vrai aussi. En fait, ouais. Après, ce sera deux esprits, mais aussi, là, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas du tout les mêmes personnes aussi qui regardent le e-sport et le sport en général, où il y a des performances athlétiques, parce que je pense que les gens qui regardent le e-sport ne recherchent peut-être pas, j'imagine, les mêmes choses. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Oui, non, mais ça mériterait qu'on fasse plus une étude au niveau des ce que les gens regardent et tout ça, quoi. Ouais, parce que je sais pas. Je sais pas. Mais là, tu vois, par exemple, je parle absolument pas en connaissance de cause. Donc, si jamais il y a des fans d'e-sport, je prends un point de volée parce que je sais pas ce que recherchent les gens qui regardent de l'e-sport. C'est juste que, de mon point de vue, tu vois, j'ai du mal à voir à quel point l'e-sport peut être autant une école de la vie que un mec qui a genre grindé de putain de 4 à 6, de 4 à 10 ans en école de lutte où il a dû commencer à cutter du poids, il a eu des problèmes physiques, mais il a été obligé de continuer à grinder. Après, il a trouvé le MMA, machin, machin. C'est tellement une école de la vie que je sais pas si ça peut l'être autant, quelque chose qui est autant aidé artificiellement et technologiquement. J'imagine que les mecs qui font les sports s'entraînent à mort et pareil, ils connaissent des difficultés et tout, mais je sais pas si c'est à ce point-là. Je sais pas. Moi, c'est hyper compétitif aussi, mais je pense que ça va être vraiment deux mondes entre guillemets différents, parce que ouais. Tu sais, quand tu regardes le e-sport ou même les compétitions de poker, tu sais, c'est complètement différent de ce que les athlètes font. Et je pense que les mecs, on va pas dire se croiseront jamais, mais ce sera des entraînements vraiment, à mon avis, complètement différents. Et le côté, à mon avis, MMA, comme on le voit aujourd'hui, restera toujours. Parce que tu regardes, hein, honnêtement, quand on regarde le judo ou la lutte, ça n'a que très peu évolué entre les années 80 et aujourd'hui, finalement. Et tu as d'autres sports comme le MMA, tu vois, qui sont, on va pas dire que c'est des évolutions par rapport à ça, mais tu vois, ça a ajouté, tu as le côté des rounds différents, tout ce qui est packaging qui est différent. Et je pense que tout ça va rester. Mais tu auras à côté cette ligue XX Bionic où là, les mecs vont vraiment se régaler et puis tu pourras faire vraiment tout ce que tu veux. Tu vois, genre, on balance une boule de feu. Ah bah ouais, génial, on va balancer une boule de feu en vrai, tu vois. Ah oui. Ouais, bah ouais. Ça va finir par devenir. En fait, ça va finir par devenir des jeux vidéo comme on les a maintenant. C'est voilà. Juste que ce sera en vrai, quoi. Ouais. Complètement. Je pense que de toute façon, c'est le seul moyen parce que tu vas pas pouvoir justifier, on va dire, une telle violence si elle est réelle, entre guillemets. Si elle est réelle dans le sens violence réelle et avec conséquences. Voilà. Ah ouais. Parce que si c'est dans le monde réel, mais que le mec se prend une boule de feu et que le gars ne crame pas sa tête et que tu vois effectivement les tissus qui sont en train de brûler, tu peux pas dire à ESPN, écoutez, on va vous vendre ça. Enfin, ouais, non, c'est vrai. Sauf c'est si vrai. Tu dis, bah, écoutez les gars, les mecs ne risquent rien. Une fois que les tissus ont brûlé, déjà c'est du plastique. Une fois que ça a brûlé, bah, on reconstruit un mec, c'est pas grave du tout. Le sang, bah, c'est pas du vrai sang. Ils peuvent même supprimer le sang, tu vois, pour se dire c'est un peu trop violent. Parce que je pense que c'est ça. Sinon, tu veux pas dire à ton gosse, vas-y, fais ça. Ouais, mais cela dit, on sait pas comment va évoluer la civilisation. Et mec, si on a eu les gladiateurs, pourquoi on n'aurait pas ça, hein ? Oui, complètement. Mais d'aucuns pourraient vous dire, mon cher Russ, que finalement les gladiateurs sont les combattants de MMA. Et ah oui, que ce sont les gladiateurs du 21e siècle. Bah, complètement, mais en fait, là où je veux en venir, c'est que tu vois, tu disais qu'il y aura probablement une limite éthique à ce que les télévisions accepteront de montrer, mais en fait, j'en suis pas si sûr, parce que c'est juste qu'on est à un moment différent civilisationnellement parlant, mais à mon avis, de toute façon, l'humain, il reste le même quoi qu'il arrive, donc c'est juste que si au niveau, sociétal et au niveau de la civilisation, si les choses évolue au point où on revient en gros, bah, comme au temps des gladiateurs, c'est pas si grave et ça choque plus personne de voir genre des mains tranchées ou des trucs comme ça dans le cadre d'un événement sportif à la télé. En fait, je me dis, ça peut très bien passer. Hein. Je vois, franchement, de la même manière que le MMA est aujourd'hui accepté à plus petite échelle, tu vois, mais alors que des grandes instances du sport français disaient que c'était des combats en cage, des combats de coq, des trucs, des combats de chiens, etc. Il y a quelques années, bah maintenant les évolutions changent.
Et on peut très bien imaginer que, genre, ouais, voilà, enfin, dans 30 piges, on ne sait pas à quoi ressembleront les sociétés dans 30 piges, mais que ce soit devenu légion et normal d'avoir des, ouais, des combats où les gens s'arrachent les yeux, perdent leurs mains à partir du moment où ils sont consentants, tu vois. Oh, oh, je sais pas. Ça, quand même, ça me paraît, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué pour vendre ça, surtout aux States. Surtout aux States. Je pense que sera... c'est toujours possible, mais t'as ce côté, tu vois, par exemple, au MMA, quand tu vois tous les combats de Tony Ferguson, il y a énormément de sang, tout ça, mais ils te vendent ça, la communication, c'est tous les arts martiaux confondus. Donc t'as ce côté, les valeurs martiales, ceci, cela, et finalement, si quelqu'un se pète le bras, c'est sur une clé de bras. Donc, entre guillemets, bah, l'autre avait la possibilité d'abandonner, il n'a pas souhaité abandonner. Les clés de bras, vous avez ça également au judo, dans d'autres sports. Par contre, dire, le mec va balancer une boule de feu sur un autre gars, et ce mec va potentiellement cramer, à vie, quand même. Ouais, c'est non, c'est vrai. C'est un peu, mais après, c'est vrai, tu pourras retrouver ça, ou peut-être, tu vois, sur des programmes un peu bizarres, mais je vois mal TF1 ou ESPN te mettre ça à 16h de l'après-midi. Je sais pas, parce que je me dis, ça dépend si la Terre devient idiocratie. Ah oui, oui. Ouais, ah oui, oui, par contre, oui, si ça peut complètement... Ouais, c'est ça que je me dis, enfin... Si vraiment genre la race humaine perd les pédales, et qu'on se retrouve dans une idiocratie ou un espèce de futur dystopique, je me dis pourquoi est-ce que les gladiateurs ne reviendraient pas au XXIe siècle? Franchement, je sais pas, mais ça me paraît pas déconnant. Eh bien, réponse en 2050 avec Nurmagomedov qui défendra son titre. Bien, mon cher Ross, c'était. Intéressant, instructif, je sais pas, mais intéressant. Intéressant. Et voilà. J'allais alpaguer nous aussi. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous. Si vous avez détesté, abonnez-vous. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à, si jamais vous avez des trucs auxquels on n'a pas pensé, franchement, dites-les dans les commentaires, parce qu'en vrai. La digression et la discussion, là, elle peut être vraiment intéressante si vous proposez des idées auxquelles on n'a pas pensé ou des trucs genre backés par des études scientifiques et tout. Alors là, mais on est preneur, hein, ça peut faire un truc de ouf. Et puis surtout que nous avons eu les boules de feu et l'éclatement de tête, mais si vous avez d'autres moyens d'exploser Kamaru Usman, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. On ne sait jamais, ça peut éventuellement créer des vocations au niveau créativité. Bien, et puis Kamaru Usman ou d'autres. Oui, c'est pas contre Kamaru Usman. Kokoriko, le Nigeria. Soit.